Yo tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va en ravir plus d'un, la vidéo des abonnés, la vidéo spécialement dédiée dans la semaine à la communauté qui suit ma chaîne YouTube. On va voir quelles petites perles vous nous avez sorties, on va voir ce que vous avez à nous proposer aujourd'hui et si vous avez fait des choses relativement incroyable ou pas. Avant de commencer cette petite vidéo, je vais râler un petit peu, comme d'habitude. Sinon, c'est pas marrant, et toute la chaîne perd de son charme. Si je pouvais simplement me permettre de dire quelque chose, lorsque vous m'envoyez des clips, que ce soit par Dropbox ou autre part, donnez-moi l'accès, rendez le fichier public. Parce que s'il faut que je fasse des demandes d'autorisation à chaque fois, franchement, on va rigoler. Ou carrément, pour les plus têtes en l'air d'entre vous, lorsque vous me faites un mail pour me dire, et dans le titre il y a clip des abonnés, mais que vous m'envoyez pas le lien de la vidéo, j'ai quelques difficultés à la lire. Je vous l'avoue, c'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, mais c'est que c'est physiquement... Je viens de cracher. C'est juste que c'est physiquement impossible. Même si je m'y mets de tout mon cœur avec ma souris et mes doigts, je peux pas le faire. Bon, trêve de plaisanterie, petit clip des abonnés, j'espère qu'il sera de qualité. On va commencer tout de suite avec un V4. On est sur chalet, on a un petit termite qui arrive en sneaky beaky like dans les escaliers du côté de Trophy Cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de descendre sur l'arrière de la cave à vin. Il prend son temps en sneaky beaky 19 secondes, c'est vraiment très compliqué. L'autre il est aux fraises, il se fait ramasser. Le bandit qui décale, qui se fait choper, c'est magnifique. Il pré-shot, il arrive à le sortir. Le deuxième qui est sorti... Non, donc voilà, le russe qui gueule, c'est une étape obligatoire dans le cycle de la victoire sur Rainbow Six. Sinon, c'est pas marrant et ça perd de tout son charme. Le clutch était vraiment intéressant, c'était une action rapide, efficace et pas chère. Pas de placement de produit, vous inquiétez pas. Mais si je peux te dire quelque chose, hein, déjà, Termite qui arrive d'ici par derrière, j'espère pour toi que t'as ouvert devant, que t'as quand même fait ton boulot. J'ai pas regardé combien de charges t'avais encore sur toi. Mais le Termite qui arrive en dernier à 20 secondes de la fin, c'est un petit peu trop tard, mon copain. Heureusement que t'as rattrapé un petit peu la situation en proposant quelque chose comme ça, parce que sinon ça aurait été très compliqué, hein, quand même. D'accord, ok, on enchaîne très vite avec Frost. Base d'Air Ford, en bas, qu'est-ce qui se passe? Déjà le troisième kill, le temps que je me réveille, le quatrième, la montagne est tombée, et l'autre aussi apparemment. Magnifique! Oh, vidéo elle se coupe dessus. Magnifique, rapide, efficace, c'est pas cher, j'ai pas trop à commenter. Tu m'as pas laissé assez d'espace pour me situer un petit peu dans la partie. Tu m'as mis le clip du premier au dernier kill et basta, fini, c'est plié. T'as vraiment pas le temps. Mais n'empêche que c'était une action vraiment intéressante. Je suis propre, radical, pas pardonné. L'autre qui prend le frost dans les pieds. Écoute, normalement, quand on franchit un obstacle, on regarde quand même un petit peu ce qui se passe en bas, surtout sur R6. Pas qu'il y ait un Capcan surprise, un Kinder surprise, Capcan surprise. Les petites blagounettes à la White Shark, oui, je sais, les ruptures ça rend marrant. L'humour, ça a jamais été mon fort. Je pense que j'ai une personnalité assez forte, mais si vous êtes venu ici pour l'humour, vous n'êtes pas tombé sur la bonne chaîne, les gars. Petit clip Battlefield 1 des familles. On enquille, c'est déjà le premier kill. C'est sur la nouvelle carte, je sais pas comment elle s'appelle, mais je sais effectivement qu'il y a l'espèce de grand bunker central. Il va s'insérer dedans, je vais dire s'immiscer, mais absolument pas. Prise de contact, une petite grenade des familles en oscope, très très bien. Encore un qui sort, ça tombe aussi sur la grenade, ils continuent de rusher. Ils ont l'air un petit peu teubés, non? C'est des débutants ou... Lui il a absolument pas capté, il prend un coup de pelle, il réalise pas ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive. Il se fait trancher la tête, tout va bien, normal, pépère au calme. Et il continue à avancer, personne ne l'a remarqué, personne. Ah mais c'est... Et ça continue à enquiller, est-ce qu'il va encore le sortir? Impeccable. Impeccable. Encore un. Ouh! Viser les étoiles pour mieux atterrir sur la lune, c'est ça? Un dernier, non? Ça y est, c'est terminé, c'est la fin du clip. Avec moi les gars, en plus tu donnes des ordres. Et finalement c'est terminé. Finalement c'est terminé, c'est comme ça que le clip s'arrête. Encore un petit clip de qualité. Il y a des mecs qui rigolent vraiment pas quand ils jouent sur les FPS. Un bon petit clip BF assez agressif. Dommage que tu prennes tout simplement le contact tout seul, la ligne de front tout seul. Je pensais que tu serais un petit peu suivi par les collègues qui étaient un petit peu aux fraises pour le coup. Mais c'est bien, t'as fait ton action, t'as nettoyé ton site tout seul. Délicieux, délicieux, génial. Mouah, c'était... Mais gusta. Mais écoute, voilà, simplement, simplement, le bonheur commence. Shooter top 10, Kant DG740. What is this? What is this? Un petit clip avec Jackal. Prise de contact rapide, hein. Efficace.
Est-ce que... Bien, ok, d'accord. Très bien. Quoi, Miskine? Eh, Quentin, on va se calmer. Ça suffit maintenant. Oh, Miskine. Mais Miskine, toi-même, arrête d'insulter les autres, Michel. C'est pas très gentil ce que tu fais. Est-ce que moi, quand je fais un ace, je dis Miskine? Peut-être Miskine à des fois, mais pas Miskine. On plantait dans le couloir, là, je comprends pas très bien ce que tu fais. Tu vas te rapprocher de la sécurisation. Chut, mais toi-même, tais-toi, Quentin, s'il te plaît. Wow, ce shoot bonbon dragibus, là. Ah bah la full team, tu vas aller la chercher, mais pour l'instant, tu vas te faire récupérer, Michel. Doucement. Il reprend, petit shotgun des familles dans les mains. Il est prêt, il est déterminé. Petit rollback aussi. Ah, spoté derrière le lit. Putain, si t'arrives à le sortir, là... What? Oh, full team! Full team en classé. Ah, un petit clip avec Mira. En 1v3. Je pensais que c'était la fin du clip, tu vois. J'ai même pas eu le temps de te dire GG pour ton ace. Un petit coup de CK. Wow! Michel, tu es en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Le dernier, on le voit. Si, on l'a vu, il est en train de taper au Mira. Il essaye de glitcher, ce connard. Tiens, allez, la sanction, elle tombe et c'est fini. Bah écoute, Quentin Miskine, je te remercie pour ton clip, c'était vraiment sympathique. Déjà, j'ai bien aimé la petite full team, hein, Miskine, la full team, tout ça, Miskine. Et le petit Miskine Mira 1v3, c'était vraiment intéressant. Donc pour la prochaine fois, n'oublie pas. Miskine. Toujours sur la base d'Airford, cette fois-ci accompagné de Valkyrie. La vidéo s'appelle Epic Full Team, je sais pas quoi, donc on va voir un petit peu de quoi ça s'agit, si c'est tellement épique que ça. Donc pour l'instant pas grand chose, il reste 1 minute 30, je pense que les adversaires vont commencer à se bouger, de toute façon il y a un montagne, il devrait y avoir un thermite dans l'objectif, je comprends pas pourquoi ils ont toujours pas toqué aux portes. Ça y est, l'entrifrager qui est enfin là. On se demande ce qu'il a fait depuis. H qui arrive contact. T'es un petit peu en retard. À 1 minute 16, tu fais ton apparition, toi. Tu fais partie des gens qui partent en vacances en Afrique pendant une ranked en début de round. La prise de contact dans les escaliers. Faut que t'ailles revenge. Non, il a eu le temps de tuer ton pote. C'est pas grave, la sanction est là. Le blitz qui tombe sur un G. Oh! Le double kill, ou alors c'est celui... Non, c'était celui dans les escaliers, bien. La prise de contact avec Montagne, qu'est-ce qu'on fait? On va scout un petit peu sur les extérieurs, en même temps spoté par Jackal. Comment il va se sentir de ça? Le Jackal, il sort. Il n'y a plus que le Montagne à sortir. Le C4 dans les pieds, boum, ça y est, c'est fini. Génial, génial. Alors, je sais pas comment il a fait pour te rater, mec. Vraiment, je sais pas comment le Montagne a fait pour ne pas te shooter. Mais, déjà là, il y a un problème. Il y a un problème? Non, franchement, il y a un problème. Le Montagne, ce qu'il a fait là, c'était absolument pas logique. Mais toi, derrière, l'erreur a été sanctionnée et c'est pour ça que c'est important. Peut-être pas d'avoir un niveau de shoot supérieur aux autres, mais si, quand même, un brain un petit peu plus développé que ce que vous pourriez avoir en temps normal dans votre rank, que vous puissiez prendre l'avantage lors des situations comme ça. Quand le mec, il fait une erreur, bam, il se fait sanctionner direct derrière et c'est ça, la magie de Rainbow Six. La vidéo s'appelle Full Team Cut White Shark. Alors, un petit... Ok, très bien. Premier coup de cut, deuxième coup de cut, troisième coup de cut, quatrième coup de cut. C'est trop là. Et le dernier. Ah, il a été spoté là dehors, très bien. Et la petite hache des familles qui prend un coup de couteau aussi. Oh putain, la honte. Eh, franchement, les gars. Faire les 5 comme ça. Ah, putain, mais les gars, mais franchement. Comment ils ont fait tous dans la même pièce à cheval les uns sur les autres sur deux fenêtres? Mais sérieux, vous êtes cons ou quoi? Non, mais les gars, à un moment donné, mais ne faites jamais ça en ranked. Déplacez-vous par binôme, prenez des positions avancées, tout ce que vous voulez, des pics directs sur site, etc. Mais déplacez-vous, restez en groupe de deux, ne stackez pas au même endroit. Là, il aurait pu faire la pute, lancer un C4, une grenade, un foutre un capcan en sortie de pièce. N'importe quoi, ça aurait pu faire sortir les ennemis. Et... Enfin, déjà, roamer comme ça avec un personnage lourd, j'ai pas trop compris. Ni comment ils les ont entendus, ni comment il en est arrivé là. Mais en tout cas, vraiment GG, mec. GG, GG. Ah, un deuxième petit clip bouclier, Blitz, qui rentre dans la pièce, qui a pas été capté. Premier kill au bouclier, deuxième kill au bouclier. Il y en a un là derrière le bouclier. Troisième kill au bouclier. Non, je veux bien que ce soit de la simple, mais là, les gars, franchement, il y a une limite quand même. Hein. Oh, non, il va le sortir. Quatrième kill au bouclier. Oh, dur. Il est par terre. Wesh. Cinquième kill au bouclier. Oh, full team au bouclier avec Blitz. Non. J'ai du mal à réaliser ce genre de situation, vraiment. Je me demande comment les mecs, ils font... Enfin, d'accord, ok, c'est de la casu, il y a des mecs un peu moins forts, etc. On est sur console, vous pouvez trouver toutes les excuses du monde. Mais même sur console, vous pouvez pas nous dire que vous vous faites sortir comme ça à 5 en full corps à corps. Même si le blitz, il est déter quand même. Enfin,
par les 5, on croise vraiment des animaux étranges au casual, hein. Mais vraiment, des fois, on croise des animaux étranges, hein. Mistral Sotrax, what the fuck is going on? Who is this guy? Et qu'est-ce que tu as à me proposer? Bon écoute mon garçon, t'es gentil, t'es mignon, mais... Ah cette fois-ci je vous affiche, j'en ai marre. Comment veux-tu que je commente ou qu'on comprenne quelque chose avec une musique pareille qui est transgénique, bizarre, no technologique? Faire un commentaire là-dessus, déjà c'est pas possible. Et en plus de ça, on n'a pas le son des pas, des tirs, des armes, des... Donc voilà, que vous le sachiez, je prends pas de clips comme ça, je les prendrai pas, je peux pas les présenter, même si c'est très joli et qu'il y a de l'ambiance, tu vois, mais dans ce cas-là, moi je préfère mettre mes musiques. Enculé. Oh. Ce bâtard. Oh. Je te nique le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Ouais, non, c'est pas... Après, voilà, je me suis trompé parce que c'est pas ça que j'écoute comme musique, mais... Donc voilà, si vous voulez la chanson, c'est Maxence, la vidéo de la démonétisation, où en gros, il vous balance toutes les insultes de la langue française, ou en tout cas, les plus grosses, les plus pertinentes. Et comme ça, vous êtes sûr de vous faire striker pour l'audio, c'est génial. De toute façon, j'ai claqué du 2 Chainz et du Wiz Khalifa. C'est bon, c'est fini. Voilà les gars, c'était White. J'ai pris du bon temps avec vous, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment-là. On a de nouveau vécu de belles aventures sur ce clip des abonnés. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Si vous voulez dans la peau d'un requin numéro 2, si vous voulez Kona, si vous voulez Mass Effect, allez-y balancer. Mais j'espère et je compte sur vous pour que vous soyez au rendez-vous la prochaine fois. Pensez à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir et à vous abonner. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, à 100 000 abonnés, on aura beaucoup de riz. La petite blague du requin pas marrante. Ah, oh, va falloir que je m'achète de l'humour. Oh, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace.